aussi, je te dis. Je vous emmerde tout autant que vous êtes. J'emmerde cette ville et tous ses habitants. C'est qui ce bâtard? Hakim a 24 ans, il boxe en anglaise. C'est son passe-temps, y'a que là qu'il est à l'aise. Tout le monde parle de sa boxe phénoménale. Il fait mal, plaît aux femelles et mâles. Il s'entraîne d'arrache-pied, tous les jours il veut quitter son quartier. Là où le canet, toutes les tours, alors il enchaîne les combats. Sa cote augmente, maintenant sa mère con qui vient le chercher en bas. Manager des meufs, restaurant, on est en 80, qui bat tout un grand pour perfectionner son style. Il prend le train, descend n'importe où et défie le plus fort de la ville. On raconte que dès qu'il touche, il couche. À l'époque, le 1 contre 1 était respecté. Hakim passe professionnel, rien qu'il gagne le championnat d'Europe et le sommet de sa montagne. Ici, tu sors de rien, tu veux monter, tu resteras qu'un être humain. Regarde ceux qui pensent le contraire. On finit un jour par goûter le parterre. Ici, t'es sûr de rien, tu peux monter, tu resteras qu'un être humain. Regarde ceux qui pensent le contraire. On finit un jour par goûter le parterre. Hakim s'imagine champion, alors il s'entraîne, s'entraîne jusqu'à devenir une machine. Son physique change, son regard aussi. Il devient nerveux et fume comme un garci. Toujours en run, la pression le cogne. Il va faire la plus grande erreur, se mettre dans l'alcool. Lui croit que c'est bien, croit que c'est rien. Se dit si je veux, je peux arrêter demain. Pendant que tout s'organise, tout le monde est confiant. Hakim en cachette devient de moins en moins conscient. Ça y est, on y est, Hakim monte sur le ring. Tout le monde voit que son regard trahit son feeling. Premier round inexistant, Hakim est passé de l'attaquant au résistant. Deuxième round accroché en pleine mâchoire. Hakim ne sait pas qu'il va devenir fou à partir de ce soir. Tu es sûr de rien, tu peux monter, tu resteras qu'un être humain. Regarde ceux qui pensent le contraire. On finit un jour par goûter le parterre. Ici t'es sûr de rien, tu peux monter, tu resteras qu'un être humain. Regarde ceux qui pensent le contraire. On finit un jour par goûter le parterre. De psychiatrie en psychiatrie, de médoc en médoc, Hakim s'éloigne de sa vie et ressemble qu'à une loque. Il vagabonde à moitié nu dans les rues, parle tout seul, pousse des cris, fier dans l'abus. Lui qui était fort, beau gosse, expert en boxe, est devenu un pauvre sac d'os. Sa marie veut croiser, l'inviter à manger. Ça fait mal de voir un grand de son quartier changer. Toujours une bouteille à la main, la méningite, la cogite. C'est trop pour un seul cerveau, pour un seul type. Faut pas croire dans la vie, faut jamais être sûr. Tu peux finir écrasé comme la merde sous tes chaussures. C'est comme ça. Tu veux monter, tu resteras qu'un être humain. Regarde ceux qui pensent le contraire. On finit un jour par goûter le parterre. Ici t'es sûr de rien, tu peux monter, tu resteras qu'un être humain. Regarde ceux qui pensent le contraire. On finit un jour par goûter le parterre. Ici t'es sûr de rien, tu peux monter, tu resteras qu'un être humain. Regarde ceux qui pensent le contraire. On finit un jour par goûter le parterre. Ici t'es sûr de rien, tu peux monter, tu resteras qu'un être humain. Regarde ceux qui pensent le contraire. On finit un jour par goûter le parterre. Ça fait mal de voir un grand son quartier changer. Ça fait mal de voir un grand son quartier changer.